ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة لذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Bienvenue à cette thématique assez importante qui touche une large population, plus particulièrement dans notre communauté musulmane. Bienvenue à cette thématique dans laquelle nous retrouvons beaucoup de gens et beaucoup de jeunes qui tombent dans des folies, où des jeunes deviennent malades et sont victimes d'eux-mêmes. Bienvenue à cette rencontre pour éclaircir certains points à certains jeunes qui sont victimes d'eux-mêmes, victimes de leur amour, amour qui est un amour aveugle, et qui sont victimes de ceux qui pensent être aimés, car ils ne savent pas aimer. Elle m'a dit, mon mari, il me quittait pendant des jours et je ne savais pas où il partait. Mais moi, pour moi, j'étais sûr qu'il partait avec une autre femme. Marié ou pas marié, je ne suis pas au courant. Un jour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le dit. Malheureusement, elle m'a dit, je suis parti avec un autre, un jeune, pendant quelques jours. Et j'ai compris, dans le message, c'était un message de revanche et de vengeance. D'ailleurs, pour frustrer un peu une fille qui résiste à l'abordage d'un garçon, une fille me racontait ça, une élève me dit « Hey, t'es coincée, qu'est-ce que tu as? T'es coincée ou quoi ?» Ça veut dire que le type, il veut la décoincer. Elle est coincée par sa pudeur et par sa chasteté, et le type se propose, en Zorro, de la décoincer. Pour la libérer de ses joujoux religieux, afin qu'elle soit un appât facile pour lui. Voilà comment ça se passe en général. Achouf nous raconte des histoires, vous croyez pas? Ça c'est la vérité, Harry. Il est sur le papier. Elle pourrit. T'es un pourri, toi. Qui a fait ça avant toi? Qui? Même les juifs et les chrétiens, même n'importe qui. Y a personne qui a fait ça avant toi. Ça n'existe pas, ça. Sale pervers. Cette sœur, elle n'a même pas le droit de la regarder. Ce garçon-là, tu dois le jeter, tu dois même plus le prendre en considération. Tu dois même le dénoncer à tes parents, à tes frères. Dénonce-le. Donc ils ne t'encouragent pas à l'adoration et à l'obéissance. Ce sont des gens qui t'encouragent au péché. Et combien de couples, de familles ont explosé à cause d'Internet? Il est parti avec une autre femme. Vous savez pourquoi? Il a rencontré sur le web. Il parlait avec elle. Il a découvert que c'était une bonne musulmane. Et que sa femme, ce n'était pas une bonne musulmane. L'Okhra, là, qui est derrière l'écran, elle est bonne. Elle est bonne, vous savez pourquoi? Parce qu'elle parle avec lui. Depuis quand une fille qui parle avec toi est-elle bonne? Normalement, une femme ne doit pas parler avec un homme qui n'est pas un mahram, oui ou non? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit que lorsque vous êtes à deux, le troisième c'est ahwa, tu es avec elle. Donc le troisième c'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire, c'est un acte haram. Tardif, 3h, 4h du matin. Allô chérie, ça va? Tu vas bien? Tu dors pas encore? Non, je dors pas encore. Et toi, tu dors pas encore? Non, je dors. Allez, raccroche. Non, raccroche-toi d'abord. Moi, je vais pas raccrocher. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mais non, vas-y, allez, raccroche. Non, je raccroche pas. Raccroche-toi d'abord. Mais t'es mon amour. Toi, une fleur, c'est pour un jour. Toi, c'est pour toujours. Quel mensonge et mensonge et mensonge. Restez puceaux jusqu'au mariage comme votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne rigolez pas, oui. Tu es puceau, ha ha ha, il est puceau. Oui, je suis puceau, oui, le problème. Oui, je n'ai connu la femme que lorsque je me suis marié. Oui, le problème.
Oui, il est vierge encore. Oui, je suis vierge, j'ai appris. Et l'ange de la mort, il va l'arracher. C'est comme si tu vas prendre la brosse de la laine mouillée comme ça, et tu vas la tirer atrocement, avec beaucoup de douleur. Donc le hadith, déjà, il présente qu'il y a des morts avec douleur et des morts sans douleur. Et ça, à cause de quoi? À cause de l'amal. L'amal salih, l'action vertueuse, la bonne action ou la mauvaise action. C'est pour ça qu'on doit se préparer. Cette infirmière, wallahi, je tiens cela de elle. Elle m'a dit, la liste est trop longue pour les filles musulmanes qui attendent de se faire recoudre en vue d'un mariage. La file est sur 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de place. Est-ce que cela veut dire que toutes nos filles ne sont plus vierges? Non, non, loin de là, astaghfirullah. Mais que elle doit attendre, ça c'est un hôpital, hein, multiplier l'hôpital Saint-Jean, rajouter à cela César de Pâques, Saint-Pierre, la VUB, Erasme et tout le reste. Imaginez le nombre de jeunes filles qui ont pris rendez-vous pour se faire recoudre après une bêtise faite à 13 ou 14 ans, suite à un piège qu'un garçon plus avisé qu'elle lui a tendu. Sa fille, elle a pris un cutter, puis elle se donnait des coups au niveau des tibias et des bras. Et elle s'est ouverte partout. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Qu'est-ce qui se passe? Il gratte, et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que sa fille, elle est folle amoureuse de quoi? De Tokyo? Hôtel. 4 jeunes hommes sur qui elle a transmis la maladie du sida. 4 jeunes hommes qui sont à l'heure actuelle, on ne sait même pas s'ils sont au courant ou pas. Imaginez-vous la gravité de cet acte. Imaginez-vous qu'il décide de fonder une famille. Lisa, pour le moment, je ne suis pas marié, non. C'est difficile, etc. Un peu à gauche et à droite, un peu zigzag. Laisse tomber, pour le moment, autant m'y donner à fond. Et le jour où je vais me marier, à ce moment-là, je vais reprendre, comme on dit, Nishen. Hein, c'est le mot qu'on entend, Nishen, la pratique. Je vais reprendre à fond, etc. Alors que, bien sûr, c'est une règle qui va... Tout le monde sait ça, la mort, on ne sait pas quand elle va nous frapper. Hein? Il est devenu impuissant. Il s'est soigné pendant 12 ans. Wallah, il s'est marié à 38 ans. De 26 à 38. 12 ans de soins intensifs pour enlever la maladie qu'elle lui a passée. Allah l'a puni de la plus belle manière. الناس اللي تيهضروا بحالي كثروا المنابر عمرت بلا ائمه تتهضر على هذا الشيء الاذاعات لي زانترنيت والو لا حياه لمن تنادي لماذا علاش ترسخ عندنا حب الذات ترسخ عندنا حب القبيله ترسخ عندنا واحد العدد كبير ديال الامور اللي اساسها الاسره والتربيه الاسره الصغيره والاسره المجتمعيه بصفه عامه نسوا الله فانساهم انفسهم. Ça veut dire un regard suivi d'un sourire, suivi d'une parole, suivi d'une promesse ou d'un rendez-vous, suivi d'une rencontre. Ça peut aller très vite. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Allah, tu vois des parents, tu dis subhanallah, est-ce qu'ils réfléchissent oui ou non? Le gosse, il a 10 ans, il a un portable. Vous savez ce qu'il fait avec son portable, le gosse? Il n'appelle pas sa mère et son père. Jamais il n'appellera sa mère et son père. Il appelle les copains et les copines. Surtout. Et il passe son temps à envoyer des SMS. Regretter sincèrement ce qui a été fait. Regretter pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on regrette, on éprouve du regret d'avoir commis ce péché. La troisième, c'est al-azmu ala adami al-auda al-mu'awada. Le fait d'avoir une ferme volonté, une la ferme intention sincère devant Allah subhanahu wa ta'ala de ne plus commettre ce péché à une autre reprise. Quand elle se laisse désabuser, dans le pire des cas, elle tombe enceinte. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Où est-ce qu'elle va s'enfuir? Où est-ce qu'elle va se loger? Je suis une fille de 21 ans,
Ah, la 21 ans, le Shahwa, elle est montée ici. Je parle sur Internet avec des hommes. Mashallah. Des hommes. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches quoi? Et je tenais à souligner que bon, il faut parler ainsi, afin qu'il n'y ait pas de malentendu avec les frères ni avec les sœurs, car peut-être que vous n'êtes pas au courant des différentes questions qui parviennent par email et autres, ou des histoires qui sont vraiment à tomber par terre. Aujourd'hui, alhamdoulilah, les questions ont été, on va dire, si on peut appeler ça, à l'aise, cool, mais des fois, lors des rencontres comme celle d'aujourd'hui, on rencontre des questions à tomber par terre, des questions à en faire des cauchemars. Et nous allons terminer cette rencontre par un conseil qu'une sœur a écrit pour ses sœurs qu'elle aime en Allah, et elle leur dit, mes chères sœurs, méfiez-vous. Méfiez-vous des loups, méfiez-vous de ceux qui vous veulent mal, méfiez-vous, mes très chères sœurs, au bar. ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل ذنبه ذنب عظيم فاغفري الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل